Et yo les gens, c'est DiaboloFit35, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va très très bien aujourd'hui puisqu'on va faire quelque chose de très très fun dans cette vidéo. Tout simplement, vous l'avez vu dans le titre, on va aller voir les rêves de Caris. Pour ceux qui me découvriraient sur cette vidéo, Caris est tout simplement un petit doudou que j'ai adopté. Il est, attendez, où est-ce qu'il est? Coucou Caris, c'est toi, voilà, c'est lui, c'est le petit Caris. Donc il est vraiment très drôle, vous verrez je pense tout simplement ça dans ses rêves. Alors vous allez sans doute me demander, mais comment est-ce que je vais faire pour aller voir ses rêves? C'est très simple, vous savez, dans ma série, j'ai un docteur qui peut absolument tout faire. Et ce docteur, tout simplement, c'est le docteur V. Et du coup, je l'ai appelé juste avant cette vidéo pour qu'il vienne et qu'il nous permette de voir tout simplement les rêves de Caris. Puisque voilà, il a tout un petit tas de matériel, etc. qui va nous permettre de voyager à travers ses rêves. En plus, je crois que Caris est un petit peu fatigué, du coup, ça va vraiment être parfait. D'ailleurs, si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne louper plus aucune des prochaines vidéos. Je crois que c'est parti de la Team Zombie, la Team Zombie, c'est qui? C'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Du coup, abonne-toi, c'est pas déjà fait. Et si tu veux une autre vidéo tournée autour de Caris, voilà, ou alors une autre vidéo où on voyage dans les rêves, et là tu me proposes un personnage, genre ça peut être Booba, ça peut être Juliette, tout ça. Donc là, on est en comité restreint, hein, tout le monde est à l'école. Il y avait juste Tom qui avait pas école aujourd'hui parce que sa maîtresse était malade. Mais du coup, oui, on est en petit comité restreint. Booba, je sais pas où est-ce qu'il est, ma copine est au travail. Mais du coup voilà, si tu veux un nouvel épisode avec un autre personnage dans lequel on voyage dans ses rêves, je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Puisqu'à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, on va voyager dans les rêves de quelqu'un d'autre. Enfin bref, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre le docteur V. Il va pas tarder à arriver. Le temps qu'il arrive, j'avais quelques petites choses à vous annoncer. Tout simplement, mes vidéos vont énormément changer. Enfin, il va y avoir beaucoup de changements, en tout cas énormément changé. Ça va rester avec les mêmes personnages, à peu près la même histoire. Mais vous allez voir, il va y avoir plein de nouveautés. Il va y avoir plein de trucs bien bien stylés. Du coup, je vous donne rendez-vous samedi là qui arrive, pour tout simplement voir toutes les nouveautés. La vidéo sortira à 13h. Vous allez voir, ça va vraiment changer de ouf. Vous me direz en plus ce que vous en penserez samedi. Voilà ce que vous aimez bien dans tous les changements qu'il va y avoir. Voilà, je vais essayer de vraiment me faire une grosse mise à jour de mes vidéos. Donc je peux déjà spoiler un petit peu ce qu'il y aura. Mais en gros, il y aura une plus belle image, on aura un peu plus de personnages vivants dans la ville. On aura aussi plus d'animation au sein de la vidéo. Pourtant le montage voilà restera à peu près le même, mais il y aura un peu plus d'animation. Enfin vous allez voir ça tout de suite, donc enfin tout de suite non, du coup pas tout de suite mais samedi. Donc je vous conseille vraiment de regarder la vidéo qui va arriver samedi, parce que franchement ça va regrouper un tas de changements pour mes vidéos et ça va vraiment être intéressant. Et Diabolo? Ouais, dis-moi Caris, qu'est-ce qu'il y a? Bah t'as pas un petit peu grossi? Non, pourquoi? Bah t'as des petits bourrelets. Ah, j'ai des petits bourrelets, oula. Ah bah peut-être que j'ai un petit peu grossi, j'ai pas fait attention. Ah mince, ok, bon bah sympa Caris en tout cas de me le dire. Ça me forcera peut-être à faire un peu plus de sport. Bon, du coup le docteur V, je pense qu'il devrait pas tarder à arriver. On l'attend un petit peu là, bon en même temps voilà, je l'ai appelé ce matin, là je sais pas quelle heure il est. Attendez, je vais aller voir vite fait. Il est 13h40, ah si quand même, ça fait un petit bout de temps qu'on l'attend. On va attendre le docteur V, je sais pas quand est-ce qu'il va débarquer. Ok, il est pas devant. Bon bah, les abonnés, je vous retrouve une fois que le docteur V est là. Parce que là, pour l'instant, je sais pas quand est-ce qu'il arrive. Ah, ça a frappé là. Oui, papa. Ouais, ça a frappé. C'est pas moi qui ai frappé, okay. Tom. Bonjour le docteur. Bonjour, oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va, oui, oui, ok. Oui. Ouais, bon, écoutez le docteur, d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo-là non plus, je vous la mettrai à la fin de celle-ci, donc restez bien jusqu'au bout. Tout simplement, le docteur V, j'ai appris qu'il était l'un des meilleurs amis de ma copine, genre, en gros, ils travaillent ensemble et tout, du coup, c'est un peu un truc de ouf, et il y avait une vidéo, bah, en fait, on avait vu un peu leur projet secret, donc je vous spoil pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais je vous le mettrai à la fin de cette vidéo. Du coup, bah alors, on t'avait venir ici, le docteur V, pour qu'on puisse observer les rêves de Caris. Je pense que ça va vraiment être très fun. Du coup, t'as apporté tout le matos qu'il faut? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, c'est bon, ok, t'as tout ce qu'il faut. Bon, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se rentre dans la chambre de Caris. On va installer tout le matos à côté de, bah, de là où il veut dormir. Tu veux dormir où, Caris? Ouais, sur le banc de muscu. Ok. Je m'en doutais un petit peu. Bon, alors, du coup, tu peux te mettre sur ton banc de muscu. Ok. En plus, je suis fatigué parce que le combat avec Annabelle, oui, il m'a fatigué. Allonge-toi, oui. Ok, vas-y, t'es allongé là. J'installe tout. Tu peux t'installer un peu mieux là parce que t'as les jambes qui pendouillent un peu dans le vide là, Caris. Ah, je peux pas. Ah, tu peux pas trop? Ok, vas-y. Non. Ok, vas-y, c'est bien comme ça. Vas-y. Ok, tout est installé, c'est nice. Oui. Ok, franchement, tout est installé. Je vais rêver Naruto. Ah, peut-être. On va voir le rêve qu'il va faire, les abonnés. Franchement, restez bien jusqu'au bout pour voir le rêve. Je pense que ça va vraiment être bien stylé. Du coup, là, on va observer un petit peu le rêve de Caris. Alors, bon, du coup, ça va. Bah, faut attendre qu'il s'endorme, tout simplement.
Donc vas-y, Docteur V, tu peux décaler un peu de la télé, comme ça on va tous se mettre, genre on va se poser et tout. On va poser des petites chaises, tout ça. Tom, t'as des petites chaises ou pas pour qu'on puisse s'installer? On va s'installer le temps qu'il s'endorme. Je regarde. Vas-y, regarde si t'as des petites chaises. Et moi, au pire, je vais aller en déplacer de la cuisine si t'en as pas. Si t'en as pas. Mais elles sont pas très belles. Okay. Bah vas-y, pose-les quand même, pose-les quand même. Ok, vas-y, on va s'installer. Hop, c'est bon, on va s'installer du coup. La télé là-bas, on voit un petit peu. C'est un peu comme au cinéma. Tout le monde s'installe et on va regarder du coup la télé là-bas. Du coup, pour vous les abonnés, vous aurez carrément. Voilà, je vais capturer l'écran de la télé. Comme ça, vous allez carrément avoir tout le rendu directement. Donc, on se retrouve une fois que Caris. Ah, il a commencé à s'endormir. Mais il va falloir qu'il commence à rêver. On l'entend dormir, regardez. Oui, il dort. Bon, du coup, les abonnés, on se retrouve une fois qu'il a commencé ses rêves et du coup, directement avec la capture d'écran. Attention, Gloria, je pense que Caris vient de flasher sur toi. Oh, ah bon, trop chaud. Elles aiment ma voix. Elles me trouvent BG. Ma parole, t'es énorme. Salut, poupée. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Oh, oui, avec plaisir. T'as vu le ciel? Il est magnifique, il me fait penser à tes yeux. Oh, bah oui, t'as raison, il est tout bleu. Dis-moi, chérie, tu veux boire quelque chose? Oh oui, je veux bien, avec plaisir. Garçon, servez-moi un verre pour les vrais hommes et un verre. Ok, j'arrive. Ok, vous voulez quoi, du champagne? Je sais pas. Quelque chose pour les durs. Ok, bah tenez, je crois que j'ai ça. Attends, je vais regarder vite fait ce que j'ai. Ok, ouais, j'ai ça, si vous voulez, c'est plutôt solide, ça, si vous voulez. Voilà, je vous laisse avec votre chérie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, déjà, tu vas sortir d'ici, parce que ici, c'est ma place. Comment ça, tu parles comme ça? Fais pas le fou, je te le dis. T'as cru que j'étais ta chienne ou quoi? Viens pas la voir avec moi, je vais t'arracher la tête. Espèce d'ornithorynque, va. T'es né où? T'es né à côté d'une chèvre ou quoi? Ta tête de brocoli là. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Prépare-toi, on va au octogone, tu vas voir. Mais c'est bon, viens là. T'éclates ta mère là. Jamais tu parles comme ça, je te le dis. Tu fais pas le fou avec moi, moi je t'éclate ta tête, moi. Tu me connais pas. Ok, c'est bon. Regarde bébé comme je suis trop chaud. Je la soulève, visite ta voiture. Oh, t'es trop fort, Caris. Allez, avec le petit doigt, regarde. Ah, 3-6, hop là. T'as eu ça ou quoi? Ah, je peux monter avec toi dans la voiture. Ah, vas-y, monte et je la porte si tu veux. Vas-y, en fait, j'arrive pas là, descends la voiture, t'es trop lourd, pourquoi je pense. Pourquoi? Bah, en fait, t'as un niveau de beauté qui est trop beau, tu vois, et du coup, c'est trop lourd, du coup, vas-y, j'arrive pas à porter. Chaud. Allez, descends. Bon, là, regarde, hop là, 3-6, trickshot, hop là. Wow! Attendez, là, je crois qu'il va se réveiller bientôt parce que son rêve vient de se finir. Mais what the fuck, t'as vu Tom ce rêve? Mais oui, papa, c'est trop fou! C'est n'importe. Non, mais Caris! Oui. Vous avez tout vu? Bah ouais, là on a tout vu ton rêve hein. Non mais c'était pas ça mon rêve, c'était faux. Attends, il y a des choses à éclaircir dans ton rêve. Attendez les abonnés, ne quittez surtout pas tout de suite parce qu'il y a des choses à éclaircir dans son petit rêve là. Attends, il faut qu'on se pose autour d'une table là, tout le monde là pour parler un peu de son rêve là. Parce que très clairement il y avait des choses, what the fuck. C'est n'importe quoi. Non mais attends, alors déjà dans ton rêve, Caris... passons outre le fait que voilà, toutes les histoires avec les filles, tout ça, comme quoi tu les aimes bombées, grosses, tout ça. Mais c'est pas vrai. Mais y a pas de honte à avoir. Et le seul truc, moi, où je veux savoir quelque chose là, c'est genre pourquoi le serveur c'était moi? Pourquoi le serveur c'était Diablofit? Genre la personne à ton service c'était moi. Bah tu seras un bon serveur. T'insinues que t'aimerais bien. Au fond de toi, m'avoir à ton service. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, serveur, servez-moi un Diabolo Fraise. Un Diabolo Fraise, c'est pas moi ton serveur. Non mais c'était beaucoup trop épique. Qu'est-ce que t'as préféré, Tom, dans son rêve? Quand il plante la voiture. Mais il a pas réussi, du coup, avec la fille. Mais moi, j'aurais réussi. Hein. Je suis mort, les abonnés. C'est juste beaucoup trop drôle. C'est juste beaucoup, beaucoup trop drôle. Bon, franchement, le Docteur V, je pense qu'on pourra refaire ça sur d'autres personnes. Oui, exactement. Oui, vous voyez. Ok. Bah, c'est nice. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment nice. Et cette fille-là, la Gloria, là, tu la connais dans la vraie vie, Caris? Oui, je l'avais déjà rencontrée. Ah, tu l'as déjà rencontrée? Parce qu'au début de ton rêve, elle est toute fine et après, elle est toute grosse et tout. Genre, elle est comment dans la vraie vie? Bah, oui, elle est fine, mais j'aimerais bien qu'elle soit grosse parce que ça serait à mon goût.
Ah, tu préfères, ok, oui. Tu préfères les femmes un peu fortes. Ok, ok. Oui, et là, j'ai rencontré à ma famille dans le camp des ours. Ah, ok, ok. Bah, franchement, c'est... Et tu saurais la retrouver, là? Bah, je sais pas, bah, peut-être qu'elle est encore à la maison. À quelle maison? Bah, chez moi. Ah, chez toi? Ma vraie famille. Ah, mais chez toi, c'est super loin, c'est dans la forêt, dans... Oui. Ah, ah, ah oui, ok, 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 ok. Ah, franchement, et d'ailleurs, par contre, t'es tout le temps énorme dans le petit rêve. Bah oui, bah c'est pour séduire. Jouer avec tes gros muscles, tout ça, ok, ok. Ouais. Franchement, bien stylé, franchement, bien stylé. Hop, attendez, on va sortir vite fait de la maison. Hop, et on va voir si Caris. Moi, j'ai envie de tester Caris sur un dernier truc. Il y a la voiture de Reason. Est-ce qu'avec ta petite tête, t'es capable de soulever la voiture? On va tester. Je pense que ça va être un peu compliqué. Vas-y, vas-y. Essaye. 3, 2, 1. Allez, let's go. Wow. Ah ouais. Même comme ça, t'arrives. Wow. Wow. What the fuck. Mais je... N'oublie pas, il me prend la boîte. Je suis mort, le docteur, il a fait prendre la voiture, les abonnés. Bon, franchement, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a vu le petit rêve de Caris. Franchement, c'était assez court, mais c'était vraiment très très fun. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les abonnés, mais c'était vraiment extrêmement fun. On se donne évidemment rendez-vous très rapidement. Tout simplement, voilà, on se donne rendez-vous samedi pour les gros changements. Voilà, soyez au rendez-vous samedi 13h. Les gros changements sur ma chaîne, sur ma série. Vous allez pas être déçus, je pense que vous allez plutôt kiffer. Vous me direz ce que vous en pensez, etc. Mais je pense que vous avez plutôt kiffé. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou début de journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Un grand merci aux acteurs d'avoir participé à cette vidéo, notamment Invisible Man, Gamataria, ainsi que Azibex et Americube. Americube, non, c'est Americube. Du coup, c'est Yo Ananas maintenant. Il y a plusieurs pseudos. Enfin bref, toutes les chaînes seront en description. Vous allez checker tout ça, vous allez vous abonner, tout ça, ça ferait plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très vite.